Bon, je vous propose, chers collègues, qu'on commence. Je pense que les gens ont eu le temps d'arriver. Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui plusieurs magistrats de la Cour des comptes qui viennent nous présenter leurs travaux concernant la revue des dépenses publiques et les fiches thématiques qui ont été publiées il y a une dizaine de jours. Celles-ci prolongent et mettent en pratique la réflexion qui avait été engagée dans le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques que le président Moscovici était venu nous présenter à la fin du mois de juin. Il s'agit pour la première chambre de Mme Karine Cambi, qui l'accompagnait alors, présidente, et de M. Emmanuel Giannesini, j'espère que je prononce bien, non, Giannesini, Giannesini, merci. J'ai entendu que derrière, c'était très bien. Présidente de section. Pour la deuxième chambre, de Mme Catherine Perrin, présidente de section, et pour la quatrième chambre, de M. Christian Charpie, président, et Jean-Pierre Viola, président de section. Parmi les 9 fiches publiées, celles sur lesquelles nos invités seront en mesure de répondre à nos interrogations sont les fiches relatives aux niches fiscales, aux aides aux entreprises, au financement de la transition écologique et au transfert entre l'État et les collectivités territoriales. Pour mémoire, d'autres fiches portent sur les problématiques suivantes. Ressentez le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Privilégiez l'approche territoriale et l'autonomie dans la gestion des dépenses d'éducation, les forces de sécurité intérieure. Accélérez la réorganisation des soins de ville pour en garantir la qualité et maîtriser la dépense, assurer la cohérence de la politique du logement face à ces nouveaux défis. Les champs couverts par ces revues des dépenses sont larges et touchent à l'ensemble des administrations publiques et pas seulement la sphère étatique. C'est la logique même d'un tel exercice. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous allons maintenant vous écouter. Merci, à vous la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, peut-être avant de commencer cette présentation qui, comme le Président de la Commission le rappelait, est principalement consacrée au chapitre 4 du rapport Situation et perspectives des finances publiques, je voudrais rappeler la volonté de la Cour de participer à l'exercice de revue de dépenses qui a été lancé par le ministre de l'Économie et des Finances au printemps et resituer brièvement le contexte, celui d'une dépense publique qui a pour la première fois dépassé 1 500 milliards en 2022, alors que les mesures de soutien et de relance prises pour faire face à la crise sanitaire avaient fortement reculé. Un déficit public qui représente 4,7 points de PIB et qui devrait passer à 4,9 points de PIB en 2023, et une dette qui atteint 111,8 points de PIB, soit 14,4 points de plus qu'en 2019. Or, la France a présenté en avril un programme de stabilité qui prévoit de ramener le déficit public en 2027 à 2,7 points de PIB et de placer la dette sur une trajectoire descendante. Pour y parvenir, il faut que la progression en volume de la dépense soit ramenée à 0,4% par an, en moyenne, sur la période, ce qui représenterait 10 à 12 milliards d'économies par an. La France s'est trouvée ces dernières années à plusieurs reprises dans une situation d'augmentation par rebond successif de ses dépenses publiques, ce que nous avons appelé un effet de cliquet qui est décrit dans le rapport par le graphique 20 et qui constitue une situation tout à fait singulière au sein de l'Union européenne et qui accroît notre divergence. C'est pour cette raison donc que le chapitre 4 a été consacré cette année à une contribution méthodologique à la qualité de la dépense. Et cette contribution, comme cela vient d'être rappelé, a été accompagnée par 9 notes thématiques sur différents domaines de l'action publique. La conviction qui est portée par ce rapport, c'est que, on le verra tout à l'heure, les revues de dépenses doivent concerner tous les acteurs et qu'elles doivent être très larges, puisque, on le voit sur le graphique qui suit, le fonctionnement courant des administrations publiques représente une part relativement modeste de l'ensemble des dépenses, même si, bien entendu, ce type de dépenses doit aussi faire l'objet d'un examen et d'une qualité de la dépense. Donc la revue doit concerner toutes les dépenses, elle doit aussi concerner tous les acteurs. Pourquoi ? Parce que l'État a supporté ces dernières années l'essentiel du poids de la crise et joué le rôle d'assureur en dernier ressort pour l'ensemble de la sphère publique, et nous y reviendrons très certainement.
Donc cette grille, je le disais, peut s'appliquer aussi bien, ou doit s'appliquer plutôt, aussi bien aux dépenses d'intervention qu'aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses d'investissement ou aux dépenses fiscales. Et c'est bien entendu assez simpliste de notre point de vue de considérer que seules les dépenses de fonctionnement seraient de mauvaises dépenses et que par nature les dépenses d'investissement constitueraient en soi de bonnes dépenses. Alors pourquoi la qualité de la dépense ? Eh bien, tout d'abord, c'est parce qu'il nous semble très important de prendre en compte la satisfaction des usagers vis-à-vis des services publics. Et cette satisfaction, elle est difficile à mesurer, nous l'avons dit dans le rapport, mais néanmoins, il semble qu'elle n'est pas au niveau du rebond de dépenses publiques qui est consacré chaque année à ces dépenses. Donc il y a un écart qui se creuse entre la dépense et la satisfaction vis-à-vis du résultat. Le second point, c'est que nous souhaitons éviter une approche strictement budgétaire qui serait celle du rabot pour intervenir sur la qualité de la dépense, ce qui est évidemment plus complexe et qui s'analyse à travers des dimensions qui sont multiples. Par exemple, la rapidité du déploiement des dispositifs des politiques publiques, la publicité des données et des résultats, ou la lutte contre la fraude, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, au-delà des concepts d'efficacité et d'efficience qui sont au fondement de la performance au sens de la LOLF, il nous semble qu'il y a un certain nombre de caractéristiques supplémentaires qui doivent être évoquées pour caractériser ce qu'est une bonne dépense. Donc nous avons établi une grille d'analyse qui est articulée autour de trois grandes étapes. La première étape, c'est la conception de la dépense. La seconde, la mise en œuvre de la dépense. Et enfin, l'évaluation de ses résultats. Alors sur la conception de la dépense, nous avons rappelé qu'il existe un certain nombre de méthodes qui sont mises en œuvre, notamment au niveau de l'Union européenne, pour essayer de mesurer la valeur ajoutée d'une dépense nouvelle. Mais ce qui nous semble le plus important, c'est que à chaque dépense soient fixés ou arrêtés des objectifs clairs, hiérarchisés et chiffrés, de façon à pouvoir ensuite évaluer le résultat de ces dépenses supplémentaires. Souvent, la question est moins celle de l'utilité ou de l'inutilité de la dépense que celle de son ciblage. Et on l'a vu, par exemple, au moment des dépenses pendant la crise sanitaire, où un certain nombre d'effets d'aubaine ont pu être constatés. Je ne parle pas d'éventuelles fraudes qui ont existé aussi. Mais la question du ciblage de la dépense, dans un contexte où il faut maîtriser le plus possible la dépense publique, se pose bien évidemment avec beaucoup d'acuité. Donc j'insiste sur cette question des objectifs à fixer dès le départ. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer, ça paraît banal, mais ça n'est pas toujours le cas, de la cohérence avec les autres dispositifs qui existent. Pas seulement d'ailleurs ceux qui peuvent être mis en œuvre par les collectivités locales, bien que la question se pose. Et on l'a vu par exemple dans le RPA 2023 où la Cour avait publié un chapitre qui était consacré aux interventions économiques qui sont à la fois mises en œuvre par l'État et par les collectivités territoriales et qui avait constaté qu'il y avait 2100 dispositifs différents pour un montant quand même de 8,5 milliards qui étaient mis en œuvre par les collectivités territoriales sans que véritablement il y ait une coordination avec les autres aides et sans indicateur non plus pour mesurer toujours l'impact de ces aides. Alors, il est vrai que dans certains cas, des dépenses ont été mises en œuvre, enfin des dispositifs de dépenses ont été mis en œuvre qui n'ont pas trouvé leur public. Et nous citons par exemple le fonds de relance État-Région qui avait été créé en 2021 et dont BPI France était l'opérateur et qui a finalement engagé très très peu de dépenses parce que d'autres dispositifs existaient qui avaient en quelque sorte satisfait déjà la demande des bénéficiaires potentiels.
Le troisième point au niveau de la conception de la dépense qui nous semble important, c'est de prendre en compte l'impératif climatique et environnemental. C'est une dimension incontournable aujourd'hui de la qualité. Il est difficile, c'est vrai, de verdir la dépense publique et de renoncer à toute dépense antagoniste au climat de façon brutale, mais petit à petit, ça paraît absolument important. Et il y a l'effort qui a été fait par l'État de mettre en place ce qu'on appelle communément le budget vert, c'est-à-dire le rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, qui est un effort qui est important, novateur, mais qui doit être poursuivi, puisqu'aujourd'hui, seuls 10% des dépenses sont cotées, soit favorables, soit défavorables, soit mixtes, et 90% des dépenses sont considérées comme neutres ou ne sont pas cotées du tout. Donc il y a des marges de manœuvre importantes. Le quatrième point, c'est qu'il est très important d'associer les parties prenantes à la conception des politiques publiques. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre, des procédures qui le permettent, avec notamment la possibilité de lancer des consultations citoyennes, par exemple. Mais il est vrai que la responsabilisation et l'information des parties prenantes devient une modalité fondamentale de l'acceptabilité ensuite des dispositifs qui sont ou des mesures qui sont prises. Et il existe des pays où ces consultations sont plus systématiques, mieux développées, et nous pensons là aussi qu'il y a des marges de manœuvre importantes dans ce domaine. Enfin, au niveau de la conception, le cinquième point, c'est de donner toute leur portée aux études d'impact. Ces études d'impact sont aujourd'hui obligatoires pour les projets de loi, mais il est vrai que souvent leur qualité est assez décevante et elle ne s'applique pas non plus à certaines décisions qui ont pourtant un impact très important sur la dépense publique. Nous pensons par exemple aux amendements qui peuvent être déposés par le gouvernement. Et nous citons l'exemple du plan de relance qui a été introduit par amendement dans le PLF 2022 pour un montant de 34 milliards d'euros. Donc on voit bien, compte tenu des premiers retours que nous avons, que l'étude d'impact n'aurait peut-être pas été tout à fait inutile. Enfin, dans certains pays, il faut signaler qu'il existe une contre-expertise des études d'impact qui est faite par des organismes indépendants et qui, dans certains cas, peut s'avérer quand même tout à fait utile pour assurer la qualité de ces études d'impact. Donc voilà, nous pensons par exemple que les études préalables qui sont faites pour la préparation des PLF ne sont obligatoires que pour certaines dispositions, par exemple pour les articles de nature fiscale, et que la justification au premier euro des dépenses est très inégale en réalité d'un programme à l'autre. Donc il y a beaucoup de progrès de ce point de vue qui pourraient être accomplis. Le deuxième grand domaine, c'est la mise en œuvre de ces dépenses qui doit être à la fois plus efficace et plus efficiente. Alors il y a incontestablement une demande forte de la part de nos concitoyens de simplicité et de rapidité. Et cette demande doit être entendue. Et d'ailleurs, les aides d'urgence qui ont été mises en place à l'occasion de la crise sanitaire ont montré qu'il était possible à l'administration de mettre en place des dispositifs d'aide de façon massive et rapide. Le problème, bien sûr, c'est que ça ne doit pas être au détriment des contrôles qui doivent être faits. Et nous y reviendrons peut-être d'ailleurs sur les notes thématiques, puisqu'il y en a une qui est consacrée aux aides aux entreprises et qui illustre particulièrement cette problématique. Mais il y a aussi encore trop peu de guichets uniques interadministration qui existent. On peut citer certains opérateurs spécialisés qui se sont développés ces dernières années, comme par exemple l'agence de services et de paiement. Mais pour l'instant, ce dispositif se limite au paiement et pas à la gestion des dispositifs. Enfin, nous regrettons que la territorialisation de la dépense soit difficile à mettre en œuvre. Par territorialisation, nous entendons la capacité à cibler en fait les territoires qui ont vraiment besoin d'une intervention publique et à ne pas disperser les aides sur des territoires qui en auraient moins besoin.
Donc là aussi, c'est une question de ciblage. Par exemple, la politique du logement, qui s'exerce principalement à travers des dépenses fiscales, est un bon exemple de politique qui n'est pas territorialisée et qui se déploie sur l'ensemble du territoire. Deuxième point sur la mise en œuvre de la dépense, c'est la juste allocation de la dépense, parce que nous avons constaté qu'un certain nombre de dispositifs administratifs que nous citons dans le rapport, et nous prenons l'exemple du système SYMPA qui permet par exemple de répartir les moyens des universités sur le territoire, conduisent souvent à reconduire en réalité des dotations préalables et à ne pas prendre en compte de façon plus fine les situations, les besoins réels d'une université pour l'obtention de soutiens qui peuvent être plus importants dans certaines circonstances. Nous citons également l'exemple de la répartition des moyens entre les tribunaux, notamment des moyens humains, les magistrats et les greffiers, les personnels administratifs, qui ne sont pas répartis sur le territoire à l'aune véritablement du nombre d'affaires et des retards ou des délais qui peuvent être constatés. Donc, l'évaluation et la modernisation des systèmes d'allocation des moyens devraient, de notre point de vue, être un passage obligé des revues de dépenses et des lois de programmation sectorielle. Ensuite, toujours sur la mise en œuvre des dépenses publiques, nous avons consacré des développements sur le contrôle de l'attribution à bon droit et sur la lutte contre la fraude. En effet, il y a des dispositifs de contrôle qui sont très inégaux selon les dispositifs. Ce n'est pas surprenant en soi, mais on constate que dans certains cas, ces dispositifs sont quasi inexistants. C'est le cas, par exemple, pour l'allocation adulte handicapé, avec en plus une difficulté qui est particulière puisque le payeur n'est pas le décideur. Et donc, on a dans ce cas-là des dépenses qui augmentent de façon très rapide et qui ne sont pas maîtrisées. Il y a également beaucoup d'erreurs et d'indus. Et dans le rapport annuel sur la loi de financement de la sécurité sociale d'octobre 2022, la Cour avait relevé un niveau d'indus et d'erreurs estimé à 5,3 milliards d'euros en 2020. Sur les prestations sociales servies par les caisses d'allocation familiale, ce qui représente quand même 7% des dépenses. Donc là aussi, il y a un travail très important à faire. On peut dire que la même année, 1 euro sur 5 de RSA et 1 euro sur 6 de primes d'activité ont été versés à tort. Donc, pour arriver à avoir une diminution de ces taux, il est important que les administrations échangent mieux entre elles leurs données, qu'elles les partagent. Et on peut citer l'exemple du dispositif de ressources mutualisées qui a été mis en place dans les CAF et qui a nettement amélioré la situation. Mais il y a encore du travail dans ce domaine pour avoir un meilleur contrôle de l'attribution à bon droit. Sur la lutte contre la fraude, bien sûr, il est nécessaire de la renforcer, mais ce qu'il faut surtout signaler, c'est qu'elle est très peu évaluée et qu'en réalité, on ne connaît pas l'ampleur de la fraude. C'est un problème. L'écart fiscal, ce qui mesure en fait le non-recouvrement de recettes fiscales qui, si la réglementation était pleinement appliquée, devrait être recouvrée par l'État, n'est pas mesurée aujourd'hui. Et donc, il nous semble qu'il y a des progrès importants à faire dans ce domaine. Enfin, le troisième point concerne l'évaluation de la dépense publique. Avec le premier point qui nous semble important, c'est d'adapter la logique de performance à l'ère de la donnée. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que la logique de performance qui est vraiment constitutive de la LOLF a constitué évidemment un acquis très important, mais que cette démarche nous semble un peu patinée depuis plusieurs années, et notamment parce que
Il y a des indicateurs qui ne sont pas très pertinents, qui ne sont pas très stables, donc on peut difficilement comparer dans le temps. Et c'est pas devenu un outil, les rapports annuels de performance qui sont extrêmement utilisables finalement pour mesurer véritablement la performance de la dépense. Nous pensons que si l'administration utilisait mieux toutes les possibilités de l'intelligence artificielle, du croisement de données, et mettait aussi ces données à disposition des acteurs extérieurs à l'administration à travers l'open data, notamment nous pensons à la société civile, aux médias, aux chercheurs, aux différents groupements qui s'intéressent à l'action publique, eh bien, nous aurions certainement de meilleures possibilités d'évaluation de la qualité de la dépense. Le deuxième point, c'est qu'il faut mieux intégrer dans les évaluations indépendantes, qui ne soient pas faites uniquement par les administrations qui sont directement concernées. Et dans ce cadre, il nous semble important de réintégrer notamment le monde académique qui, dans certains pays, est très présent dans la dimension évaluative de la dépense publique, qui en France l'est assez peu et en tout cas insuffisamment de notre point de vue. Enfin, le troisième point, c'est le renforcement des dispositifs et publics d'amélioration continue et surtout la systématisation de clauses de réversibilité et de sortie. Nous constatons en effet qu'il y a peu de retours sur les évaluations. Elles ne sont pas suivies souvent de décisions. De même, la Cour, nous en profitons pour le rappeler, publie chaque année un rapport annuel sur le suivi des recommandations qu'elle adresse aux administrations. Et nous constatons que ce rapport, finalement, est assez peu utilisé, ce que nous regrettons. Mais c'est vrai aussi pour d'autres types d'inspections ou d'autorités administratives indépendantes. Enfin, nous pensons qu'il faut absolument, on y reviendra aussi sans doute sur les dépenses fiscales, limiter dans le temps les dispositifs de façon à ce qu'il y ait une sorte de clause de rendez-vous, de revoyure qui permette à un moment donné, quand il y a quand même un petit peu de recul, de lancer une évaluation et de voir si véritablement la dépense a atteint son objectif. Et pour ça, je reboucle avec le point qui concernait les objectifs qui doivent être clairs, hiérarchisés et chiffrés lorsque une mesure est conçue, lorsqu'elle est décidée, parce que si ça n'est pas le cas, eh bien, à la fin, on ne sait pas ce qu'on évalue et on est devant une difficulté majeure. Donc voilà ce que dit ce chapitre 4. L'idée, c'est d'avoir une grille d'analyse de la dépense avec des critères qui soient auditables, hein, c'est-à-dire qui permettent véritablement, avec bien sûr une adaptation à chaque type de dépense, de faire un travail sur la qualité. Et nous pensons que ce serait vraiment une façon de répondre à l'exigence forte de nos concitoyens en matière de transparence et d'amélioration du service qu'il aurait rendu. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Bien, donc merci pour votre... Je voulais préciser aux collègues tout à l'heure que, évidemment, les fiches qui ne seront pas étudiées ce jour, parce que pour des problématiques de disponibilité, le seront lors d'une nouvelle commission à la rentrée. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, je dois dire que j'ai été très, très satisfait de toute l'attention que vous portez à la question de la dépense fiscale, et notamment à travers les niches fiscales, qui me semble effectivement être un terrain d'économie et de plus de recettes, dont on parle en général moins que la baisse des dépenses publiques, mais qui me paraît plus meilleur d'un point de vue économique, plus juste, et surtout pouvant dégager des ressources importantes. Bien. De ce point de vue-là, dans la fiche thématique relative aux dépenses fiscales, vous soulignez l'efficacité limitée du crédit impôt recherche
Des scénarios de réforme avaient déjà été présentés par le CPO en 2020 pour renforcer le ciblage de ce dispositif sur les PME. Selon vous, quel scénario faudrait-il privilégier ? Quel gain budgétaire y serait associé ? Bon, c'est une question qui sert aussi un peu de teasing pour la mission d'information sur laquelle nous allons rapporter demain matin avec le rapporteur général, puisque c'est un des sujets qui touche évidemment la question de la fiscalité des entreprises. Mais je veux bien avoir un peu votre retour sur cette question de crédit impôt recherche. De la même manière, vous avez donc une fiche sur la question des aides. Il y a un rapport de Rexecode qui vient de sortir qui pointe la multiplicité des dispositifs, la complexité, etc., qui notamment handicape les petites entreprises, et plus globalement qui recommande un peu, si ce n'est une mise à plat, mais enfin en tout cas un travail sur la question de ces aides, et notamment les aides qui, moi, me posent le plus de problèmes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas conditionnées. Donc je veux bien aussi un peu de précision sur cette question. Vous soulignez que la prévision du coût de la dépense fiscale applicable aux entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires a fortement augmenté en 2023, plus 3,8 milliards d'euros, en raison de la plus forte profitabilité de ces entreprises. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de limiter cet avantage fiscal très favorable à ces entreprises et dont le coût est fortement volatile ? S'agissant des dépenses fiscales défavorables à l'environnement, la Cour insiste sur les difficultés de cotation de ces dispositifs. Pour autant, les différents tarifs réduits sur les gazoles représentent à eux seuls un coût de 2,5 milliards d'euros. Pensez-vous qu'il faudrait accélérer la suppression de ces dispositifs ? Au sujet des transferts financiers de l'État aux collectivités, alors que les transferts financiers de l'État représentent désormais la moitié des recettes des collectivités territoriales, le refus d'indexer ces transferts sur l'inflation, en particulier la DGF, ne contribue-t-il pas à dégrader les finances des collectivités locales ? J'aimerais vous entendre sur cette question. Enfin, pour apprécier la contribution de la dépense publique à la transition écologique, vous indiquez que l'État se fixe des objectifs nombreux, ambitieux, dans les différents domaines de la transition écologique et les stratégies nationales qui y sont associées, mais que, je cite, « les engagements affichés ne sont jamais accompagnés par une programmation de moyens qui doivent les financer ». Selon vous, comment devrait-on procéder pour fixer, secteur par secteur, les moyens que l'État entend engager au service de la transition écologique pour atteindre ses objectifs ? Et enfin, concernant les investissements que les collectivités territoriales doivent réaliser en matière de transition écologique, vous indiquez que la pratique des budgets verts commence doucement à s'étendre aux collectivités territoriales. Selon vous, pour quelles raisons la budgétisation verte constitue-t-elle un outil indispensable pour les collectivités territoriales ? Quel opérateur ou service de l'État pourrait être mobilisé pour accompagner le développement de ces pratiques et pour en harmoniser l'exercice entre les différentes collectivités territoriales ? Et je note avec intérêt ce que vous dites sur la question des études d'impact, que je ne peux qu'approuver, notamment au moment du plan de relance. Et cette idée de contre-expertise, pourquoi pas imaginer aussi que, quelque part, la contre-expertise puisse, avec les moyens ad hoc, être mise en place par les parlements. Ça pourrait être aussi une solution, après tout, par rapport aux études d'impact de l'exécutif qui permettrait un rôle accru sur ce sujet des parlements. Monsieur le rapporteur général, la parole est à vous. Merci, monsieur le président, madame la présidente. Merci infiniment pour ce travail tout à fait innovant qui est, je crois, sans précédent par la Cour des comptes, qui consiste à contribuer à la revue des dépenses par 9 notes couvrant un périmètre important de l'action de la dépense publique. C'est un travail colossal qui s'inscrit, je crois, dans une volonté collective, exécutif, Parlement, qu'on ait compte de maîtriser nos dépenses publiques. On retrouve là la volonté de limiter dans le temps un certain nombre de dépenses et de niches fiscales, la volonté d'une évaluation systématique. Ça s'intègre là aussi dans une logique de printemps d'évaluation que nous menons depuis quelques années, dans la logique des assises des finances publiques. Tout ça doit nous permettre, j'espère, de converger sur le diagnostic et sur un certain nombre de propositions. Je voudrais saluer aussi la part importante que vous accordez au verdissement de la dépense publique, autant de mesures qu'il faut regarder avec le plus grand intérêt. Je vois là aussi, évidemment, une vraie cohérence entre ce travail et les recommandations qui sont faites par la Cour, par ailleurs, du désendettement public, donc de baisser ou de mieux maîtriser notre dépense publique. Et enfin, en préambule, rappeler que nous venons d'annoncer
par intérêt à part, publié ce week-end une baisse de la dépense publique, une première depuis maintenant assez longtemps, qui intègre pour un certain nombre de ministères un effort de réduction des dépenses courantes sur leur périmètre. Moi, j'aurais, Madame la Présidente, trois questions. L'un des points forts de vos travaux est de fournir d'emblée dans chaque note les chiffres clés du sujet traité. Pensez-vous possible d'accompagner à l'avenir ces constats d'objectifs quantifiés et raisonnables d'économie correspondant à vos préconisations afin de préciser les enjeux et d'accompagner la réflexion du décideur public, de hiérarchiser en quelque sorte les efforts que nous devons faire? C'est mon premier point. Le deuxième regroupe plusieurs recommandations que vous faites à des endroits un peu différents sur à la fois le renforcement du lien entre le préfet et les élus locaux et en même temps la territorialisation d'un certain nombre de dépenses. Ne faudrait-il pas aller vers une sorte de somme qui serait à la main dans les dépenses publiques, je vais m'expliquer, à la main des préfets? Autrement dit, il y a des règles nationales qui amènent une uniformité du soutien, des politiques publiques de soutien à l'agriculture, en cas d'intempérie, en cas de... Et il n'y a pas de marge de manœuvre, effectivement, du préfet. Le préfet, qui colle aux réalités avec les élus locaux, pourrait, si on ne dépensait pas, allouait pas l'intégralité de cette somme, peut-être, je ne sais pas, 90 ou 95%, laisser une marge de manœuvre qui serait dans les mains de ce fameux couple préfet-maire. Je trouve que ça permettrait de territorialiser la dépense publique en intégrant une intelligence locale. Ensuite, mon troisième point couvre les collectivités territoriales qui apparaissent dans plusieurs de vos notes, transition écologique, politique éducative, politique de logement. Vous proposez peu ou prou de renforcer leur rôle, et c'est très bien, mais en même temps, vous proposez de maîtriser les transferts de l'État vers les collectivités territoriales, ce qui pourrait se traduire par, si on maintenait la dynamique de la TVA, une baisse sur d'autres transferts qui seraient peut-être la DGF. Donc, pouvez-vous nous présenter de façon synthétique la façon dont vous envisagez la contribution des collectivités territoriales aux politiques d'intérêt national dans le respect de leur libre administration? Je vous remercie. Merci. Je vous proposais de répondre. Je précise bien sûr que l'idée de contre-expertise sur un impact sur l'étude d'impact ne serait pas à moyen constant. J'ai réagi parce que j'ai entendu mes administrateurs faire... Ça ne pourrait se faire à moyen, ça pourrait pas se faire à moyen constant, évidemment. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter de répondre le mieux possible à vos questions et à celles du rapporteur général. Alors, sur le crédit impôt recherche, qui représente quand même la principale dépense fiscale avec 7 milliards d'euros par an, il y a eu en 2022 un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui a permis de dégager un certain nombre de pistes. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les bénéficiaires de ce crédit impôt recherche sont bien connus parce qu'il y a une base de données de gestion qui est tenue par le ministère en charge de la recherche, et donc ça permet d'avoir une analyse assez fine de ce dispositif. Et ce qu'on voit, c'est que les PME représentent 83% des bénéficiaires, mais seulement 28% des sommes qui sont déduites. C'est des chiffres qui datent de 2018. Je ne pense pas que ça ait forcément beaucoup changé. Et donc, le rapport rappelait que les évaluations qui avaient été menées sur le crédit impôt recherche montraient qu'il y avait un effet de levier pour les PME, c'est-à-dire qu'elles dépensaient plus qu'elles n'auraient dépensé dans ce domaine, mais pas pour les grandes entreprises qui, en fait, défiscalisent qu'elles auraient de toute façon investi dans la recherche. Donc ça, je trouve que c'est une conclusion très intéressante et qui avait conduit le CPO à dire, à préconiser que le plafonnement de ces dépenses soit plus bas qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on peut déduire jusqu'à 100 millions. Donc il avait proposé que ce soit abaissé pour que ça profite réellement aux PME, qu'il y ait un effet de levier qui soit marqué. Et donc ça amenait à supprimer le taux de 5% qui s'applique au-delà du plafond de 100 millions aujourd'hui.
L'économie entraînée par une telle réforme avait été chiffrée à 2 milliards d'euros, ce qui est quand même pas nul dans ce domaine. Donc voilà un exemple qui montre qu'il y a des marges de manœuvre sur un certain nombre de ces dépenses fiscales. En ce qui concerne le tonnage maritime, alors très franchement, c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas travaillé. Il avait été évoqué dans le rapport sur le budget de l'État que nous vous avions présenté, que le Premier président était venu vous présenter, puisque effectivement, c'est une taxe qui est assise sur le chiffre d'affaires, enfin une dépense qui est assise sur le chiffre d'affaires, et donc son coût avait beaucoup augmenté. Et il faudrait une étude particulière pour pouvoir vraiment répondre à votre question, sachant que beaucoup de pays ont mis en place des dispositifs similaires et qu'il y a aussi un problème de maintien de la compétitivité des entreprises françaises qui travaillent dans ce domaine. Mais c'est une dépense sur laquelle il faudrait mener des études supplémentaires. En ce qui concerne les aides aux entreprises, alors nous n'avons pas travaillé sur toutes les aides aux entreprises, nous avons travaillé principalement, enfin même exclusivement, sur les aides qui ont été mises en œuvre à l'occasion de la crise Covid, donc soutien et relance, le plan d'urgence, et les aides qui ont été mises en place pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et aider les entreprises faire face à cette augmentation. Donc ce qu'on a constaté, mais ça n'est pas forcément généralisable, mais c'est que le foisonnement d'aides et leur automaticité dans certains cas, pas dans toutes, mais avait contribué très certainement à créer des effets d'aubaine et à faciliter dans certains cas le fait que le soutien public avait été supérieur aux pertes constatées par les entreprises. Donc il y a un problème là aussi de ciblage et la difficulté devant laquelle s'est trouvée l'administration, c'est de disposer de données microéconomiques suffisamment fines pour mettre en place ce chiffrage, ce ciblage. Et également, autre difficulté, c'est d'embarquer, je dirais, dès la conception de la dépense, des dispositifs de contrôle. Parce que si ça n'est pas le cas, la récupération a posteriori des sommes est extrêmement difficile, et on l'a constaté dans le cas des aides aux entreprises post-crise. Il y a eu un peu de récupération, il y a eu une amélioration progressive en 2021, puis en 2022, des contrôles qui étaient mis en place par l'administration, mais ça n'a pas été fait d'emblée pour des raisons de rapidité, de réactivité qu'on peut aussi comprendre. Voilà, donc il y a dans ce cas très particulier des effets effectivement qui doivent être mieux maîtrisés. Pour ce qui concerne le budget vert, parce que sur la question des transferts aux collectivités locales et la transition écologique, je passerai la parole à mes collègues. La question des collectivités locales, ce que nous savons, parce que les chambres régionales des comptes mènent un certain nombre de contrôles dans ce domaine, d'enquêtes, c'est qu'effectivement, les collectivités locales commencent à s'emparer de cet outil qui a été développé par la direction du budget avec une méthodologie qui nous semble assez robuste et qui pourrait très certainement faire l'objet d'échanges avec les collectivités territoriales qui seraient désireuses d'accroître leur expertise dans le domaine. Après, ça n'est pas évidemment totalement transposable. Et comme je le disais, au niveau de l'État, il y a des difficultés quand même pour avancer, même s'il y a une réelle volonté de le faire. Donc, nous n'avons pas particulièrement regardé de façon transversale les budgets verts des collectivités locales. Pour la question de Monsieur le rapporteur général sur les objectifs d'économie, ce que je comprends de votre question, c'est qu'en fait,
il y aurait une traduction concrète en termes de mesures proposées d'économie aux fiches thématiques. Alors, ces fiches thématiques, elles sont centrées quand même sur une vue très synthétique d'ensemble, et dans certains cas, elles méritent derrière des investigations supplémentaires. Et je prends l'exemple des aides aux entreprises. Le premier président a retenu l'idée de faire un rapport l'année prochaine sur l'ensemble des aides aux entreprises et de ne pas se contenter des seules aides aux entreprises versées pendant la crise, qui est un travail intéressant mais rétrospectif et un peu finalement, enfin, qui ne permet pas de dégager des pistes vraiment intéressantes pour l'avenir. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire à ce stade, et je vais passer la parole à Christian. Peut-être, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, sur les questions liées aux collectivités locales. Évidemment, on a une fiche thématique qui est consacrée aux transferts de l'État. Il faut bien se rendre compte que les transferts ont considérablement augmenté au cours des années passées pour une raison simple, c'est que les réformes de la fiscalité locale ont été compensées aux collectivités locales par des attributions de parts de fiscalité, notamment la TVA. Donc c'est aujourd'hui une dépense très importante pour l'État, c'est une moindre recette ou une dépense de 158 milliards d'euros en 2023, et c'est une recette essentielle pour les collectivités locales. Alors pour répondre d'abord à votre question, Monsieur le Président, effectivement la DGF n'est pas indexée sur l'inflation, mais ce n'est pas une nouveauté, ça fait des années que c'est comme ça. Il y a même une période entre 2014 et 2017 où la DGF a baissé en montant absolu, donc ce n'est pas une nouveauté. Alors, effectivement, il y a eu une légère augmentation de la DGF en 2023. Simplement, d'autres ressources des collectivités locales, elles, sont de fait indexées sur l'inflation et sur la consommation. Le fait qu'aujourd'hui la TVA soit une ressource significative des collectivités locales, l'effet bénéficier de l'inflation et également la progression de la consommation. Alors, il peut y arriver à certaines périodes qu'on ait une baisse de la consommation. Enfin, c'est rarissime. Je crois que ça a dû arriver en 2009, dans mon souvenir. Mais c'est une chute en 2009, la crise était majeure, mais en règle générale, et surtout avec les mesures de maintien du pouvoir d'achat qui sont faites systématiquement en période de crise, la consommation est plutôt dynamique, et donc il y a une recette qui est indexée sur l'inflation de fait. La deuxième chose, c'est que les bases fiscales qui restent aux collectivités locales, notamment les bases des taxes foncières, bâties et non bâties, sont indexées elles aussi sur l'inflation, avec un an d'écart, mais ça va conduire en 2023 à une très forte progression des bases fiscales. Donc, de fait, la TVA, la DGF n'est pas indexée sur l'inflation, mais en revanche, la plupart des autres recettes le sont. La grosse exception et la grosse difficulté, sans doute, sur 2023, c'est les recettes de droits de mutation à titre onéreux, les DMTO des départements et aussi des communes, qui ont très fortement augmenté en 2021-2022, devraient connaître a priori une situation beaucoup moins favorable en 2023 et provoquer quelques difficultés pour certains départements. Deuxième élément de la réponse, c'est sur le rôle que les transferts financiers peuvent jouer dans la maîtrise des dépenses publiques. Alors, plus les transferts financiers sont élevés, plus ça pèse sur les dépenses de l'État ou ça joue sur ses recettes. Donc, un ralentissement des transferts financiers réduit les dépenses de l'État ou accroît ses recettes. Mais aussi, ça a un effet sur les dépenses des collectivités locales, puisqu'avec les règles de l'équilibre budgétaire auxquelles sont contraintes les collectivités locales, on ne peut dépenser que ce qu'on a. Alors, il y a eu une période sous la précédente mandature où on a mis en place des systèmes de régulation des dépenses des collectivités locales avec les célèbres contrats de Cahors qui n'ont pas duré très très longtemps, mais qui visaient à réduire la dépense. Ce que nous disons dans notre note, c'est qu'on peut aussi jouer sur la dépense des collectivités locales, non pas par le biais d'une maîtrise des dépenses type contrat de Cahors, qui, je crois, a été totalement abandonné, mais par une meilleure maîtrise des transferts, puisque c'est par le biais des transferts que les collectivités locales ont de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire faire ce qui a été fait en 2014-2017, nécessairement. Ça veut dire, par exemple, voir de quelle manière on peut mieux faire jouer ou mieux jouer sur la dynamique de la TVA, par exemple, qui est une ressource qui est très dynamique et qui est probablement plus dynamique que la ressource qu'elle a remplacée. On a calculé dans notre rapport que l'excédent de compensation sur 2022 était de l'ordre de 6 milliards d'euros. Voilà, donc on se dit on peut peut-être jouer sur la dynamique de la TVA, à la fois pour maîtriser les évolutions des dépenses, pour aussi
créer des fonds de résilience pour les collectivités locales qui seront en difficulté, et aussi peut-être pour mieux jouer sur la répartition des transferts entre collectivités, parce que les transferts financiers d'État souvent sont faits pour compenser des transferts de fiscalité ou des dépenses qui ont été transférées il y a des années, et parfois au mépris de l'évolution, je dirais, des démographiques des collectivités. Donc voilà, nous disons qu'avec les transferts qui vont, je répète, 158 milliards d'euros, on peut faire autre chose que de faire une simple caisse de transfert, mais aussi, par ce biais-là, influer sur la répartition des transferts entre collectivités pour réduire les inégalités, faciliter la résilience par la mise en place de fonds de résilience, voire globalement aussi, par une maîtrise globale de leur ampleur, jouer sur l'évolution des dépenses des collectivités locales. Dernier point, peut-être sur un point que vous évoquez, qui est le verdissement des transferts financiers. Une des propositions, choc n'est pas vraiment le mot, mais une proposition que nous avons avancée, alors je ne sais plus si c'est dans cette note ou dans le rapport Fipulo, c'est dans la note, et de dire au fond, on a un mécanisme de financement des investissements que la FCTVA, qui est très paramétrique, c'est un pourcentage de dépenses d'investissement. Ce que nous disons, c'est qu'on pourrait peut-être, à budget constant, on est quand même la Cour des comptes, donc budget constant, réduire peut-être la part des transferts automatiques du FCTVA et augmenter les dotations d'aide aux investissements qui, elles, sont réellement verts. Donc voilà, jouer un peu en disant, il faut financer, il y a un mur d'investissement vert à financer pour les collectivités locales. Utilisons davantage des financements fléchés pour verdir ces investissements et peut-être réduisons un peu l'aspect FCTVA qui est un peu mécanique. Voilà ce que nous disons sur les différents sujets que vous avez évoqués. Merci. Monsieur le Président, vous avez posé deux questions, une sur les collectivités territoriales, donc il vient d'y être répondu, peut-être qu'il y a des compléments, et puis une plus systémique sur, en fait, comment assurer la cohérence entre les engagements internationaux de la France en matière de transition écologique, les ressources qu'elle y affecte et la trajectoire des finances publiques. Alors, dans la note sur la qualité de la dépense verte, nous avons identifié trois grands niveaux d'action que je vais présenter de manière résumée, si je puis dire. D'un point de vue assez macro, finalement, il y a la programmation pluriannuelle des crédits nécessaires à la transition écologique et à l'atteinte des objectifs consentis par la France. Donc, il y a deux façons de procéder. Il y a l'adoption de lois de programmation sectorielle. Il en existe déjà un certain nombre en matière de recherche, justice, défense. Il y a un projet de loi transition énergie-climat qui est en préparation. Donc, ça, c'est une des pistes possibles. Et l'autre piste que certains appellent de leur vœu, il y a notamment eu un amendement en ce sens pendant la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, c'est de faire une loi de programmation globale des finances publiques en faveur de la transition écologique. Bon. Ça permet évidemment d'asseoir la crédibilité de l'engagement, la compatibilité avec la trajectoire des finances publiques, puisque en amont, le Haut Conseil des finances publiques serait saisi. Après, il y aura un débat budgétaire et en aval, la Cour des comptes interviendrait sur l'analyse de l'exécution de ces différents textes. Voilà. Parce qu'il faut, nous sommes partis du constat que beaucoup de politiques publiques avaient des objectifs volontaristes, mais souvent, les crédits correspondants ne sont pas programmés. Ils peuvent même ne pas être évalués. C'est le cas, par exemple, sur certaines infrastructures de transport. Or, on sait que les enveloppes nécessaires sont extrêmement importantes. Ça peut être le cas pour des choix énergétiques. Ça peut être les choix en matière de politique de gestion des déchets, de politique de gestion de l'eau. Donc, il y a place pour ce type de documents. Autre levier d'action pour répondre à votre préoccupation, c'est la budgétisation verte. C'est-à-dire le budget vert, qui est un document annexé depuis deux ans au projet de loi de finances. Nous avons fait des propositions dans cette note thématique sur comment élargir le périmètre de la budgétisation verte, puisque comme la présidente Cambi vient de le rappeler, ça ne porte actuellement dépenses brunes et vertes, tout compris, que sur 10% du montant du budget de l'État.
Donc on pourrait élargir le périmètre, affiner les méthodologies utilisées, ce qui permettrait de coter des dépenses qui actuellement sont considérées comme mixtes. Et puis, dernier volet, ça consisterait à transformer le budget vert, qui actuellement est un outil assez descriptif, qui correspond d'ailleurs au crédit présenté dans le projet de loi de finances, en un outil plus opérationnel, c'est-à-dire qu'il permettrait de prendre des décisions de programmation et d'élaboration de la loi de finances de l'année suivante, notamment pendant les revues de dépenses du printemps, permettrait également, en gestion infra-annuelle, de choisir quels sont les crédits que prioritairement on pourrait annuler ou geler et quels sont ceux que l'on maintient. Ça pourrait également guider certains textes comme les lois de finances rectificatives en cours d'année. On sait que dans la période récente, beaucoup de dispositifs étaient bruns, notamment tous les boucliers énergétiques. Et puis en exécution, c'est intéressant de faire des analyses d'écart parce que le budget vert actuellement correspond au crédit du PLF, il ne correspond même pas à la loi de finances initiale. Et ce qui est intéressant, c'est d'examiner l'exécution de ces crédits. C'est ce que la Cour s'emploie à faire depuis déjà deux campagnes budgétaires, puisque chaque note d'exécution budgétaire analyse l'exécution du budget vert propre au périmètre de la mission, et une consolidation de ces analyses est faite dans le rapport sur le budget de l'État. Ça, c'est le deuxième grand levier. Et puis le troisième, évidemment, on revient véritablement à la qualité de la dépense. Ce sont les études d'impact, les démarches évaluatives et la bonne connaissance du coût-bénéfice des dépenses. Les études d'impact, on sait qu'elles sont faites, elles ne sont pas faites dans les règles de l'art, puisqu'il y a un certain nombre de données qui sont essentielles, qui n'y figurent pas. Par exemple, il n'y a pas d'objectifs chiffrés ou d'indicateurs qui permettraient une évaluation ultérieure. Bref, il y a beaucoup de données manquantes. Il n'y a pas d'estimation du coût climatique des mesures, il n'y a pas d'estimation des émissions de gaz à effet de serre, du coût de mesures alternatives pour atteindre le même objectif. Donc ça fait partie de cet ensemble que la présidente Cambi présentait tout à l'heure. De même, pour le rapport coût-bénéfice des dépenses, les évaluations seraient extrêmement nécessaires parce que, vu l'importance des mesures qu'il va devoir financer, il est bon de savoir évaluer quelque chose. Par exemple, en matière de rénovation des bâtiments, on ne connaît pas le montant d'énergie économisée, ni même le montant de gaz à effet de serre épargné par la rénovation énergétique du bâtiment, mais on connaît le montant de crédit budgétaire consommé et on connaît le nombre de logements transformés. Donc on est loin d'avoir une... Comme l'enveloppe consommée hors plan de relance s'élevait à 7 milliards d'euros, on pourrait tout de même affiner l'approche. Donc c'est un exemple assez concret. De même que le volet environnemental de la PAC n'est pas évalué. Et l'autorité environnementale, en octobre 2021, avait invité à analyser l'impact environnemental du PSN, de la politique stratégique nationale en matière agricole. Ça se retrouve en matière de gestion de l'eau. En matière de gestion de l'eau, les données dont nous disposons, notamment sur les prélèvements, sont totalement partielles. Et donc, on ne peut pas s'entendre sur des politiques de maîtrise de cette ressource qui se raréfie. C'est vrai également en matière de déchets. En matière de déchets, là, on ne manque pas d'indicateurs. Au contraire, il y en a plus d'une quarantaine, ce qui rend la consolidation des documents de suivi extrêmement difficile, la lisibilité des résultats complexe, et donc empêche aussi d'avoir cette vision du rapport coût-bénéfice et d'amender une politique ou d'en changer. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire pour répondre à votre question. Vous aviez aussi posé une question sur les dépenses fiscales brunes, notamment celles qui concernent les hydrocarbures, qui sont rattachées à la mission écologie, développement et mobilité durable, donc qui semble assez mal nommée par rapport à ces dispositifs qu'elle porte. Elle porte aussi les dispositifs de bouclier énergétique. Bon, c'est vrai que ça déséquilibre le rapport vert-brun de cette mission. Après, faut-il maintenir ou pas
ces dépenses fiscales, je pense que c'est le choix de la représentation nationale. Le Conseil des prélèvements obligatoires s'était prononcé sur un certain nombre de dispositifs dans son rapport de septembre 2019, notamment au moment de la taxe carbone. Mais bon, c'était une autre enceinte. Voilà. Merci. Ok, merci. On va passer aux orateurs de groupe. On commence pour deux minutes par Dominique Da Silva pour Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Présidents, donc je souhaite avant tout, au nom du groupe Renaissance, vous remercier pour vos propos liminaires et pour ces 9 notes thématiques actualisées qui nous éclairent sur plusieurs pans de l'action publique avec, et c'est bien l'intérêt de votre travail, des pistes d'amélioration. Alors, cet exercice de revue de dépenses initié par le gouvernement pour 2024 est à saluer. Il montre évidemment une volonté de notre majorité d'évaluer la qualité de la dépense publique. Vos recommandations sont nombreuses et méritent qu'on y passe beaucoup plus de temps depuis leur publication pour être pleinement digérées. Mais je m'en tiendrai donc aux dépenses fiscales qui, par essence, touchent quasiment toutes les politiques publiques et illustrent parfaitement le dilemme de la bonne évaluation. Vous plaidez pour que les dépenses soient considérées comme des dépenses budgétaires ordinaires, avec le même niveau d'exigence que sur leur suivi et leur efficience. Qu'on soit pour ou contre une dépense fiscale, il y a, je crois, unanimité des parlementaires et encore plus des commissaires aux finances que nous sommes à vouloir mesurer concrètement l'efficacité d'une dépense fiscale ou budgétaire. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, que nous soyons toujours en décalage avec ce principe de bon sens ? Faut-il en arriver à s'interdire de voter des dépenses fiscales qui ne sont pas clairement pilotées et qui ne présentent pas d'outils de mesure ? Parce que, par exemple, si on évoque le crédit impôt recherche, qui est devenu, après la suppression du CICE, la dépense fiscale la plus coûteuse avec 7 milliards d'euros, dans le même temps, et on en a parlé avec le ministre délégué chargé de l'Industrie, qui nous explique que c'est une disposition qui attire aussi les investisseurs étrangers et qui fait de la France la championne de ces investissements. Donc, vous voyez, l'évaluation, elle n'est pas simple. Et donc, c'est bien ce travail-là qui est difficile. Et donc, j'aimerais vous interroger sur la manière d'y arriver, parce que, évidemment, ces recommandations, si on les prend de façon basique, on peut se dire qu'on est pour, mais on voit bien que c'est bien plus compliqué que ça et les outils nous manquent. Je vous remercie. Merci. Brian Masson pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs de la Cour des comptes. Alors, j'ai lu attentivement votre rapport. Enfin, votre note thématique sur les transferts financiers entre l'État et les collectivités. Et si nous sommes en partie d'accord sur les causes de la dépendance croissante des collectivités aux transferts financiers de l'État, je crains en revanche que nous ne soyons pas d'accord sur les leviers que vous proposez d'enclencher pour y remédier. Les DGF, après avoir été largement baissés sous le gouvernement de François Hollande, sont en effet stabilisés depuis 2018. Mais cette stabilisation s'accompagne de deux éléments perturbateurs des finances locales. Dans un premier temps, et vous l'avez rappelé, cela se caractérise par la diminution des recettes des collectivités, par la baisse, voire la suppression de certains impôts locaux. Mais dans un deuxième temps, et cela n'a pas été cité dans votre rapport, il apparaît tout de même très important de souligner que l'État, depuis des années maintenant, se décharge sur les collectivités. Et pourtant, vous écrivez dans votre note, en tout cas dans la synthèse de la note, que les collectivités sont un poids pour le budget de l'État qu'il faut alléger. Alors le poids, c'est terrible, ce mot est terrible, parce qu'en réalité, ne trouvez-vous pas que les collectivités n'ont pas au contraire participé à l'allègement des dépenses et de la responsabilité de l'État ces dernières décennies ? Police municipale, écoles et cantines scolaires, état civil, environnement et développement durable, gestion en première ligne de la Covid, mise à disposition des centres de vaccination, mise à disposition des agents de la collectivité pour faire face à ce que l'État ne pouvait pas y faire. Ça, c'est la réalité. Alors, compte tenu de tout ça, est-il vraiment sérieux de demander aux communes de prioriser les investissements écologiques pour recevoir un financement de l'État ? Que les communes réfléchissent à intégrer une finalité écologique au projet d'aménagement du territoire, évidemment, et elles n'ont pas attendu l'État pour le faire. Mais il ne faut pas que l'écologie devienne la condition sine qua non pour que l'État débloque des fonds au profit des collectivités et des fonds nécessaires à la vie quotidienne de nos concitoyens. Enfin, et c'est un point qui me tient à cœur, je n'ai pas vu dans le rapport une seule ligne sur les dérives de la métropolisation des territoires, qui permet une monopolisation des financements de l'État par les grandes villes au détriment des petites et moyennes communes. En effet, de nombreux maires, notamment dans mon département des Alpes-Maritimes, m'ont alerté sur ces dérives de la métropolisation. Et c'est pourquoi je souhaite avoir votre avis de la Cour des comptes quant à l'impact de la métropolisation sur les finances locales. Je vous en remercie. Merci. Véronique Louwagie pour Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs les présidents. Je voudrais aborder un
Premier point sur la définition des dépenses fiscales. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellée. Et nous avons finalement une nuance entre les dépenses fiscales et certains dispositifs fiscaux qui bénéficient à certains contribuables, qui répondent à certains objectifs et qui quelquefois se retrouvent sur des mêmes prismes. J'en veux pour preuve la situation des taux réduits de TVA qui, pour un certain nombre, ne sont pas comptabilisés comme des dépenses fiscales. Et pour d'autres, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette définition et éventuellement comment la faire évoluer ? J'ai toujours été surprise, par exemple, que la déduction au niveau des revenus fonciers des dépenses de réparation et d'amélioration figure comme une dépense fiscale, alors que finalement, c'est une charge qui s'impute sur un résultat, sur une recette pour déterminer un résultat, et ça n'a rien d'exceptionnel. Un deuxième point que je souhaiterais aborder sur les études d'impact, je partage un certain nombre de points que vous avez relevés, notamment sur le fait de s'assurer de la cohérence. Vous n'avez pas évoqué du tout, je dirais, un prisme qui pourrait être retenu, qui est l'aspect simplicité, simplification. Et je sais que nous avons travaillé sur ce sujet avec mon collègue Robin Reda dans le cadre d'une mission sur la rationalisation de notre administration. Et nous avons évoqué ce besoin de simplification qui peut répondre, je dirais, à une rationalisation de notre administration. Et vous n'en avez pas du tout fait état. J'en veux pour preuve, par exemple, un document qui est le document CERFA RSA qu'on a cité ici lorsque nous avons rendu nos travaux, qui en ce moment comprend 136 cases pour pouvoir compléter donc, et que le bénéficiaire du RSA doit compléter. Un troisième point que je souhaiterais aborder, c'est sur le graphique que vous présentez des compositions de la dépense publique en 2021 en points de PIB par secteur des services généraux aux dépenses de protection sociale, et que vous comparez avec l'Allemagne et la zone euro 19. Et vous évoquez les services généraux qui ne sont pas supérieurs à ceux de l'Allemagne et de la France. Mais pour autant, est-ce que ce graphique ne devrait pas être corrigé aux retraités de la part des services généraux qui peuvent être introduits sur chaque mission, qu'il s'agisse de l'enseignement, des affaires économiques, etc. Je vous remercie. Merci. Mohamed Lakhila pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs de la Cour. Merci pour ces notes thématiques intéressantes qui, à la veille des discussions des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, donnent une vue d'ensemble et à la fois ciblée de l'état des finances publiques, de l'efficience de nos dépenses. Cela conforte davantage l'idée de la nécessité d'améliorer le suivi et le contrôle de toutes les dépenses afin de déboucher sur des systèmes plus économes, plus efficaces et équitables. En particulier, je voudrais aborder la première note thématique portant sur le pilotage et l'évaluation des dépenses fiscales. La Cour rappelle que le coût total des dépenses fiscales est évalué à 94,2 milliards pour l'année 2022. Il est précisé que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés représentent 45% de leurs recettes. Malgré les difficultés rencontrées à tenter une comparaison européenne sur les mêmes bases conceptuelles en matière de poids des dépenses fiscales, pouvez-vous malgré tout nous donner des éléments de comparaison sur le poids et la nature des dépenses fiscales en France par rapport à nos voisins européens et d'autre part porter à notre connaissance les bonnes pratiques que vous avez pu observer en termes de méthode d'évaluation de l'efficacité des dépenses fiscales. On constate aussi à la lecture du tableau 3 sur les 15 principales dépenses fiscales en 2022 que le crédit impôt recherche est le dispositif le plus coûteux pour l'État. En dépit d'une baisse de son coût entre 2022 et 2023, il s'élève toujours à un peu plus de 7 milliards d'euros. La difficulté du crédit impôt recherche est de ne pas pouvoir avoir un suivi précis, notamment en raison du secret fiscal. Toutefois, il représente un poste de dépenses conséquent et mérite qu'on continue à s'y intéresser. Vous recommandez un reciblage du CIR. Qu'entendez-vous précisément par là ? Enfin, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande de réinstaurer un plafond des dépenses du CIR à hauteur de 20 millions d'euros qui permettrait d'aligner la France sur les pays de l'OCDE qui ont un dispositif similaire. Que pensez-vous de cette recommandation ? Aurait-on un cadre de grandeur de réduction du coût du CIR que ce dispositif pourrait permettre ? Merci. Stéphane Delautrette qui souhaite la bienvenue pour le groupe socialiste. Oui, merci, Président.
Tout d'abord, merci à nos intervenants pour la clarté de leurs propos et la production de ces 9 fiches thématiques qui seront des outils précieux sur lesquels nous pourrons nous appuyer en vue de l'examen des textes financiers à la rentrée. La réalité, le constat, il a été posé, c'est que j'orienterai mon propos sur les collectivités territoriales. C'est que nos collectivités territoriales n'ont plus la main sur leurs recettes et qu'elles dépendent de plus en plus fortement des transferts financiers opérés par l'État. Ça a été rappelé par un certain nombre d'entre nous. Alors qu'à l'heure actuelle, ces collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique et l'aménagement du territoire, pour ne citer que cela. J'aurais pu aborder aussi, comme le président Coquerel, la question de la DGF, ses modalités de calcul, ses modalités de distribution, le fait de sa non-indexation sur l'inflation. Hein, ça a été un sujet dans le contexte actuel de l'inflation. Donc autant de sujets qui, en plus de diminuer l'autonomie financière de nos collectivités, relancent la question de la compensation mise en place par l'État et qui rend encore moins lisibles et plus volatiles les transferts de l'État aux collectivités territoriales. Vous l'avez précisé dans les fiches, si je ne me trompe, sont 150 voies différentes qui existent, dont beaucoup dépendent de situations passées qui ne correspondent plus aux réalités économiques et démographiques locales. Et nous rejoignons votre avis sur le fait qu'il y a un profond chantier à mener sur ce sujet. J'aimerais quand même revenir sur la question de la réduction des inégalités et sur le financement de la transition écologique pour peut-être approfondir et aller un petit peu plus loin sur les pistes qu'envisage la Cour sur ces deux sujets. A été évoqué à plusieurs reprises le budget vert qui nous semble être un dispositif innovant qui mérite d'être perfectionné lors de nos prochains débats parlementaires. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoyait d'assimiler les dépenses mixtes à des dépenses favorables à l'environnement dans le calcul de la part du budget vert. Et là aussi, nous aimerions connaître votre position sur ce point qui nous semble problématique et pas forcément aller dans le sens des objectifs initiaux d'un tel dispositif. Merci. Merci. Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci, merci Monsieur le Président. Merci Mesdames, merci Messieurs, chers collègues. D'abord, un merci de nouveau pour vos travaux précieux de présentation. À l'heure où le désendettement est une priorité du gouvernement et de notre majorité, votre contribution à la revue des dépenses nous est évidemment extrêmement utile, que ce soit en matière de niche fiscale, d'aide aux entreprises, de financement de la transition écologique ou de transfert entre l'État et les collectivités territoriales. Il s'agit de dépenses importantes pour l'État qui doivent faire l'objet d'une revue régulière. La qualité de la dépense publique doit être au centre de notre action. Ainsi, j'aurai quelques questions à vous poser sur différentes thématiques. Dans un premier lieu, dans votre note « Garantir l'efficacité des aides de l'État aux entreprises pour faire face aux crises », vous recommandez de mettre en place un dispositif antifraude dès le déploiement des dispositifs d'aide. Nous partageons évidemment l'objectif de lutte contre la fraude. Nous devons être intraitables sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'égalité face à la concurrence, notamment. Mais comment réussir à concilier la mise en place de dispositifs d'aide à la fois simples d'accès, lisibles, compréhensibles, déployés en urgence avec des dispositifs antifraude? Comment parvenir à concilier ces deux impératifs sans complexifier à outrance l'accès aux aides? Deux autres sujets qui ont été traités par mes collègues, mais que je réitère. Le premier, c'est d'avoir votre regard comparatif, je dirais, européen, au-delà des premières slides où vous aviez quelques éléments de comparaison avec l'Allemagne, mais d'avoir une vision plus européenne de votre comparaison avec la fiscalité des finances françaises. Et troisième point et dernier point, quel est votre regard sur le budget vert et notamment quelles sont selon vous les pistes d'amélioration de ce budget vert? Je vous remercie. Christina Rigui pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour. Alors, de nombreux pays se sont engagés depuis longtemps, pour certains, dans une revue des dépenses publiques. L'exemple le plus cité étant souvent le Canada, qui en a fait un axe fort de ses politiques publiques, voire parfois de la privatisation de ses politiques publiques sur la base des constats opérés. Alors, le sous-titre du travail que vous avez réalisé, « Orienter les revues des dépenses sur la qualité de la dépense publique », est déjà tout un programme, de mon point de vue.
puisque je ne suis pas certaine que sur ces chaises ou sur ces bancs dans l'hémicycle, le terme de qualité recouvre le même sens pour chacun ou chacune, ni même celui que vous avez énoncé. Alors, le temps m'étant compté, j'ai plus particulièrement porté mon attention sur les thématiques de la contribution de la dépense publique à la transition écologique. Alors, votre note souligne suffisamment les insuffisances du budget vert de l'État et formule des propositions pertinentes de notre point de vue sur son amélioration. Et donc la question d'un dispositif unique ou d'un encadrement des dispositifs à l'échelle des collectivités territoriales se pose de toute évidence et reste à ce jour non tranchée. Alors, plusieurs initiatives ont été prises par des communes ou des intercommunalités pour systématiser une approche intégratrice des enjeux écologiques dans la construction des budgets locaux. On peut citer le budget vert testé dans les villes de Paris, de Lille, de la métropole du Grand Lyon, le budget pondéré élaboré par la ville de Mérignac visant à calculer les sommes favorables à l'environnement, la méthode permettant de cartographier le budget au regard des objectifs du développement durable pratiqués à l'Eurométropole de Strasbourg, la méthodologie du budget vert portée par les régions Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, qui permet aux collectivités de mener une évaluation environnementale de leur budget. Donc on voit bien que ce marquage environnemental regroupe plusieurs méthodologies, plus ou moins opérationnelles, plus ou moins complexes, même parfois très complexes, notamment pour les adjoints aux finances de ces collectivités, comme l'illustre un rapport de l'Agence France Locale de avril 2022. Et donc un meilleur accompagnement de cet effort louable de budgétisation locale verte permettrait de mieux apprécier la contribution de la dépense publique locale à la transition écologique. Et donc ma question, que pensez-vous d'un travail réalisé par la Cour des comptes sur ce sujet-là ? Merci, Monsieur Thémataille Le Gaïc, pour le groupe GDR, à qui je souhaite la bienvenue à la Commission des finances. Maruro, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents de Chambre de la Cour des comptes, chers collègues Yorin. Maruro, d'abord, pour l'ensemble de vos interventions, mes questions se portent sur trois thématiques. Question des aides aux entreprises, notamment durant la crise Covid. Question des dépenses publiques, notamment la défiscalisation en Outre-mer. Et une dernière question ouverte sur le transfert de fonds de l'État vers les collectivités d'outre-mer. Concernant le premier point, les entreprises, notamment polynésiennes, ont bénéficié du fonds de solidarité créé durant la crise Covid pour un montant d'environ 230 millions d'euros. Il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre de ce fonds puisque beaucoup ont bénéficié de ces produits sans justificatif, sans être suffisamment informés sur les critères d'éligibilité. Ces bénéficiaires sont retrouvés du jour au lendemain endettés vis-à-vis du Trésor public et menacés d'une saisie de leurs biens. Dans votre note, vous évoquez le manque de contrôle a priori dans l'octroi de ces aides. Est-ce que la problématique qui est évoquée là pour la Polynésie se retrouve à l'échelle hexagonale dans le cadre de ces aides Covid ? Si oui, est-ce qu'il a existé des dispositifs pour permettre à ces entreprises d'échelonner le remboursement, parce qu'en Polynésie, le remboursement se fait uniquement sur un an, quel que soit le type d'aide qui leur a été octroyée. Sur la défiscalisation, ma question est simple. Est-ce qu'il y a une possibilité de proposer des critères d'éligibilité à une défiscalisation nationale en fonction de problématiques issues du territoire ? En fonction de critères que nous sommes être intéressants, des critères économiques, sociaux, environnementaux pour chacun des territoires. Et enfin, la question ouverte sur le transfert de l'État vers les collectivités. Est-ce que vous pensez, c'est une question ouverte, qu'il est plus préférable de développer une fiscalité propre à chacun des territoires pour qu'ils soient autonomes dans la création de richesses plutôt que de compter à chaque fois sur des transferts de l'État vers les collectivités ? Merci. Et enfin, pour le groupe Liot, Charles de Courson. Merci, Président. C'est Michel Castellani, pardon. Bon, c'est pareil. Merci, Président, Madame et Monsieur le rapporteur. Merci pour votre présentation. Vu la situation des finances publiques, vos recommandations peuvent parfaitement se comprendre. Il est difficile d'être contre l'efficacité des dépenses, leur évaluation ou le fait qu'elles soient mieux ciblées. Cela dit, nous connaissons la difficulté du passage du message à l'acte. Les besoins sont considérables, on le sait, dans tous les domaines. Et il est difficile, effet cliquer oblige, de revenir en arrière. Moi, je voudrais à mon tour, ça a déjà été évoqué par d'autres,
souligner la grande différence qui existe en termes économiques et sociaux entre les différents territoires. Dans les territoires ultramarins, cela vient d'être dit, et insulaires, les contraintes géographiques ne peuvent pas être sous-estimées et pèsent dans la vie économique, sociale, culturelle et dans tous les territoires. Il est sans doute, sans aucun doute contre-productif de répondre de façon univoque à ces situations. Donc nous pensons qu'il conviendrait de considérer les spécificités de ces territoires et de pousser au développement, à leur développement, par des dispositifs fiscaux adaptés et efficaces. Et comme vous parlez de filtrer un peu les dispositifs, moi je voudrais faire une remarque. Le dispositif crédit d'investissement en Corse est fortement utile, mais il mérite lui aussi, il mérite d'être pérennisé, je le précise. Mais il doit être sans aucun doute mieux ciblé pour l'alléger des regrettables effets pervers qu'il traîne à l'heure actuelle. Voilà ce que je voulais dire en deux mots. Vous m'excuserez si je dois me retirer, mais Charles de Courson représentera le groupe. Merci. Merci. Je vous propose de répondre. Après, j'ai 6 autres inscrits. Donc, vous pouvez essayer de calibrer vos réponses de manière synthétique. Mais si on prend tout le monde, au fur et à mesure, ils vont oublier les... J'en aurais deux. Oui, je l'ai noté, Charles. Donc, je préfère que vous répondiez de manière synthétique et on passe aux inscrits après. Il faut qu'on finisse avant 20h. Je vais essayer, Monsieur le Président, de répondre à votre attente en regroupant peut-être les questions qui ont trait aux dépenses fiscales déjà, parce qu'elles sont nombreuses. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une profusion de dispositifs. On cite le nombre, 465 dispositifs. Il y en a assez peu qui représentent des sommes importantes et il y en a quand même quelques dizaines qui représentent des sommes très faibles. Donc, il y a certainement un travail, je dirais, de nettoyage, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu familier, mais à faire pour quand même se poser la question de savoir s'il faut toutes les conserver. Après, il y a un chien devant chaque niche, chacun le sait, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais pourquoi il y a un décalage entre la volonté de départ et l'efficience constatée? En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation. À chaque fois que les lois de programmation des finances publiques ont prévu d'évaluer, de faire des revues de dépenses, notamment des dépenses fiscales ou des lois de finances, ces programmes n'ont quasiment pas été mis en œuvre. Donc on a très très peu d'évaluations disponibles sur les dépenses fiscales et nous pensons qu'il faudrait vraiment relancer, c'est une des propositions de la note, un travail systématique d'évaluation pour aller regarder précisément quels sont les dispositifs qui atteignent leur objectif ou pas et comment les réaménager, éventuellement en supprimer certains. En ce qui concerne les taux réduits, oui, il y a effectivement une très grosse difficulté, c'est évoqué dans la note. Il faut savoir que la définition est effectivement mouvante et que tout ce qui est considéré comme très ciblé est intitulé dépenses fiscales et les dispositifs plus généraux ne sont pas identifiés comme des dépenses fiscales. En réalité, il y avait eu une étude du CPO qui avait été faite il y a quelques années et qui montrait que les allègements sur la TVA, leur montant est double si on intègre tout ce qui n'est pas considéré comme dépense fiscale, mais qui en réalité constitue de la dépense fiscale. Donc on voit effectivement qu'il y a beaucoup de travail à faire pour avoir une définition solide déjà et rigoureuse, et ensuite travailler sur les évaluations. Il n'existe pas beaucoup de comparaisons avec les pays européens. La Commission européenne avait essayé de le faire en 2014, mais elle s'est heurtée très vite à des définitions méthodologiques et elle n'a pas véritablement conclu. Donc on n'a pas vraiment de comparaison. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même la France est certainement dans un étiage assez élevé dans ce domaine et que c'est un dispositif qui est assez facilement utilisé pour répondre à des besoins ponctuels.
En ce qui concerne les dispositifs spécifiques à certains territoires, ils existent. Il y a des dispositifs spécifiques à l'outre-mer qui sont assez nombreux. Et il y a aussi des situations qui peuvent être gérées ponctuellement par le Trésor public. Donc, c'est une situation assez différente de la métropole, où là, il n'y a pas généralement de territorialisation des dépenses fiscales. En ce qui concerne la question sur les aides aux entreprises, cette fois-ci, oui, il faut embarquer des dispositifs dès le départ. Ça ne retarde et ça ne complexifie pas forcément l'accès du citoyen ou de l'entreprise à ce dispositif d'aide, à condition que ça ait été bien pensé dès le départ. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples, notamment sur les aides aux entreprises qui ont été mises en place pour faire face à la crise énergétique, où progressivement, on a introduit des dispositifs de contrôle, a priori, qui n'ont pas vraiment retardé entraîner des délais supplémentaires, mais qui ont permis quand même des progrès notables. Donc les exemples sont dans les notes, je n'y reviens pas. Donc voilà peut-être pour l'essentiel. Sur les autres questions, CIR, etc., il me semble que j'avais déjà donné les éléments dans mes réponses précédentes. Peut-être très, très rapidement sur les questions liées aux transferts financiers. D'abord, un certain nombre de sujets ne sont pas très dans cette note. Par exemple, la question de la juste compensation d'un certain nombre de charges, transferts aux collectivités locales, ne sont pas dans cette note. Là, nous traitons d'un sujet précis qui est les transferts financiers de l'État. Ça n'empêche que les rapports de la Cour, je pense notamment au rapport qui a été fait, ce rapport public annuel qui comporte deux chapitres sur la décentralisation, revient assez largement sur ces questions. Cette note, en fait, elle met en valeur notamment un point, c'est qu'effectivement, au cours des années passées, par la suppression de beaucoup d'impôts locaux, l'État a dû augmenter ses transferts et parallèlement a réduit la marge de manœuvre de la fiscalité des élus locaux dans la gestion de leur fiscalité. Parce que la taxe d'habitation était supprimée, la CVAE est en train d'être supprimée, la CFE a été considérablement réduite. Donc effectivement, il y a assez peu de marge de manœuvre. Il reste une marge de manœuvre pour le bloc communal, qui lui a la maîtrise du foncier, et pour certains autres petites recettes complémentaires. Donc c'est plutôt le bloc communal qui a la maîtrise d'une partie de ses recettes, alors que les départements et surtout les régions n'en ont plus effectivement la maîtrise. Mais c'est la contrepartie de décisions qui ont été votées à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la suppression de la taxe d'habitation, la réduction de la CVAE. Donc c'est une conséquence assez logique. Dernier point peut-être sur les points qui ont été évoqués, sur la métropolisation des impôts. Oui, il y a effectivement un sujet qui est qu'il peut y avoir dans les pactes fiscaux mis dans les métropoles ou dans les EPCI la volonté de maintenir au niveau de la métropole ou de l'établissement public de coopération intercommunale un certain nombre de ressources et de ne pas les transférer. Mais ça, c'est des choix qui sont faits localement sur lesquels la Cour n'a pas à se prononcer. En revanche, ce qu'on dit dans ce rapport, c'est qu'il y a un certain nombre de petites de dotations qui sont fléchées sur les petites communes. C'est vrai notamment pour la dotation de solidarité rurale ou certaines dotations d'équipement dans les territoires ruraux. Donc, ils sont plutôt fléchés sur les petites communes. Sur le budget vert, donc à la question, monsieur le député, sur faut-il ou non intégrer les dépenses côté mixte dans les dépenses vertes, notre proposition n'est pas de répondre oui ou non, mais d'affiner la cotation. Et le budget vert, vous le savez, c'est un outil qui est en construction. Donc nous travaillons avec la direction du budget qui est extrêmement allante là-dessus, notamment la directrice du budget. Et elle s'est engagée effectivement à affiner la maille de cotation des dépenses du budget de l'État et d'aller en deçà de l'action ou de la sous-action, d'aller jusqu'à la brique budgétaire. Donc ça, c'est un point assez important. Par ailleurs, effectivement, pour élargir le périmètre des dépenses cotées, on peut recourir à d'autres méthodologies tout aussi robustes qui, comme celles qui sont actuellement utilisées, seraient également transparentes, mises en ligne sur le site Performance publique de la direction du budget.
La directrice du budget s'est également engagée, et elle l'a fait au printemps, à utiliser le budget vert et les dépenses côté verte et brune dans les revues de dépenses. Et donc, ça va être utilisé pour la programmation et la construction du projet de loi de finances pour 2024. Donc, on voit que ce budget vert commence à devenir un outil opérationnel. Et quant aux propositions d'amélioration de l'outil, vous nous interrogez là-dessus. Une des propositions que nous formulons, c'est d'analyser l'exécution de la dépense verte ou brune, d'ailleurs, enfin de toutes les dépenses cotées, et de faire apparaître cette analyse de l'exécution du budget vert dans les RAP, dans chacun des rapports d'analyse de la performance par mission. Voilà. Et c'est une proposition qui a reçu un accueil assez favorable de la direction du budget. Après, Madame la députée, vous posez une question sur les collectivités locales et le budget vert. Alors, juste une précision, c'est qu'effectivement, les initiatives actuellement sont nombreuses. Et il faut savoir qu'en lien avec les associations d'élus, une initiative est en préparation par la Direction générale des collectivités locales, avec le soutien technique de la direction du budget, qui est également très volontaire sur cet aspect-là, pour mettre en place, et avec le commissariat général au développement durable aussi, pour mettre en place une expérimentation avec les collectivités territoriales volontaires à la rentrée. Donc sur 2024, il y aura une expérimentation. L'objectif, c'est de faire quelque chose avec la même taxonomie, celle qui est la taxonomie européenne, pour éviter qu'il y ait trop de foisonnement, puisqu'on est au début d'une démarche, également pour un peu harmoniser les initiatives, pour les rendre comparables. Et durable, en fait, si je puis me permettre d'utiliser ce mot. Et l'ambition derrière cette expérimentation 2024, c'est de la généraliser en 2025. Bon, ben ça, c'est 2025, c'est dans longtemps, mais en 2024, il y aura une expérimentation. Voilà. Merci. On va passer aux autres orateurs dans l'ordre des inscrits. Robin Reda, une minute. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Merci pour ces éléments. Alors, à ce stade de nos échanges de questions qui ont plutôt valeur de remarques sur des points précis dans le cadre de la note sur le pilotage des dépenses fiscales. D'abord, s'agissant du gazole sur les véhicules routiers de transport de marchandises, par exemple, que vous citez et qui coûte 1,2 milliard d'euros par an, s'interroger sur la nécessité d'avoir un redéploiement, parce qu'on a une niche qui concerne, certes, elle est brune, mais elle concerne un secteur très concurrentiel de notre économie, où nous aurons besoin, outre les économies générées en dépenses par ce dispositif qui pourrait s'éteindre, de redéployer vers nos entreprises françaises des besoins en investissement vert pour les véhicules. Un deuxième point de remarque, celui sur la TVA à taux réduit, sur les travaux d'amélioration des logements de plus de 2 ans. C'est vrai que ça interpelle beaucoup ce que vous avez écrit dans ce rapport, avec un dispositif créé en 1999, dont les dernières évaluations datent d'il y a 20 ans et dont on utilise toujours les chiffres dans les jaunes budgétaires pour éclairer nos décisions, alors que cette niche fiscale coûte 4,3 milliards d'euros. Nous avons effectivement matière à nous interroger lors de notre prochain projet de loi de finances. Merci. Merci. Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Première Chambre, sur les objectifs que vous déterminez dans la maîtrise des dépenses, des revues de dépenses sur la qualité de la dépense publique, vous citez 3 objectifs, la clarté, la hiérarchisation et les chiffres, enfin les données chiffrées. Moi, je pense que, tel que l'a annoncé tout à l'heure Monsieur le rapporteur général du budget, faire des coups de rabot sur toutes les lignes budgétaires, ça ne sera pas la bonne politique, parce qu'il faut avoir une vision avec du long terme. Et la vraie vision à long terme, c'est celle que vous préconisez, c'est-à-dire faire une évaluation de toutes les politiques publiques. Par contre, j'ai été étonné, parce qu'à un moment donné, vous dites que il ne faut pas voir que sous le l'aune de l'efficacité. Or, une dépense, elle doit d'abord être efficace, puisque si on veut, vous parliez tout à l'heure du consentement et de l'adhésion. Et enfin, j'ai une deuxième question sur les 4 leviers que vous proposez pour juguler les dépenses. Vous dites qu'il faut limiter la durée de toute nouvelle dépense fiscale à 4 ans. Est-ce que pour les dépenses vertes, on va être dans ce registre-là? Ça serait intéressant qu'on ait une politique sur 4 ans en matière de verdissement de notre politique. Merci. Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Je salue également les représentants de la Cour des comptes. Une question très simple, parce que vous mentionnez
dans le document le fait que la question ne soit pas celle de l'utilité ou l'inutilité globale des dépenses publiques, mais celle d'un ciblage insuffisant. Vous prenez des exemples, rénovation énergétique, soutien à l'apprentissage, chèque inflation, chèque énergie. On a déjà pu s'en rendre compte, les dépenses sociales en France et toutes les aides, même connexes qui peuvent exister, que parfois moi je qualifie d'aides sociales déguisées, sont inflationnistes. Alors quand vous dites davantage ciblé, ça veut dire quels critères ? Est-ce que ce serait encore des critères de revenus ? Parce que dans ce cas, eh bien, ça accroîtra la fracture entre certains ménages qui travaillent, qui payent un certain nombre de taxes et d'impôts, et d'autres qui ont plutôt tendance à en bénéficier. Ce qu'on devrait viser, c'est plutôt la réduction de la dépense sociale, plutôt que leur concentration croissante sur ceux qui ne sont sans activité. Merci. Charles Sittenstuhl. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs la Cour des comptes. Deux points. Le premier, je veux revenir à la page 7, donc où vous évoquez les doublons État-collectivité territoriale. Donc moi, j'ai été sensible à ce point, qui est d'ailleurs cohérent avec le rapport sur les 40 ans de la décentralisation de la Cour des comptes que j'ai lu avec attention, notamment le passage sur les trop grandes régions. Vous mettez quelques exemples. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples que vous pourriez ajouter à l'oral de doublons qui vous semblent aberrants, voilà, et qui sont source de mauvaise gestion ? Deuxième point, à la page 13, moi j'ai été très stupéfait de lire qu'il n'y a quasiment aucun contrôle sur l'AAH. Et l'AAH, c'est quand même 12 milliards d'euros, c'est quasiment le RSA. Donc comment est-ce qu'il se fait qu'il n'y ait aucun contrôle qui existe sur l'allocation adulte handicapé ? Merci. Christine Pires-Boune. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente de Chambre, Monsieur le Président de Chambre, Mesdames, Messieurs. D'abord, merci également pour votre présentation. Deux points. Moi, je voudrais revenir sur le crédit impôt recherche, parce que je partage ce que vous avez dit, mais ce qui devrait être relevé aussi, c'est la progression du crédit impôt recherche. En 2008, on parlait en millions sur le crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, on parle en milliards. Donc je ne sais pas si on se rend compte que ce crédit d'impôt recherche en 12 ans, il a été multiplié par 8. Je ne sais pas jusqu'où on va aller puisqu'il n'y a pas de plafond. Alors certes, il y a un plafond pour le taux en dessous de 100, au-dessus de 100, mais vous pouvez faire 200, 300 millions, 400 millions de dépenses impôt recherche et vous avez du crédit impôt recherche. Donc je pense qu'il faut effectivement, je le dis depuis des années, vous avez cité le CPO, mais vous auriez pu citer France Stratégie, vous auriez pu citer le CAE, vous auriez pu citer y compris vos propres rapports de la Cour des comptes, qui datent de quelques années, qui font tous le même constat. Alors je vous rejoins, à quoi servent les rapports si effectivement on ne tient pas compte des préconisations ? Et la deuxième question, très vite, est-ce que vous auriez l'évaluation de la niche fiscale relative à l'exonération d'impôts et de prélèvements sociaux de la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente de résidence principale ? Je n'ai trouvé ça nulle part. Charles de Courson. Madame la Présidente, mes chers anciens collègues, naturellement, c'est intéressant de lire toutes ces 9 notes. Mais moi, je voulais me concentrer sur 2 de ces notes. La première, c'est celle concernant la politique du logement, parce que demain, nous allons exposer ici un long rapport de 167 pages qui essaie de répondre à la question de l'évaluation des dépenses en matière de logement. Et certaines des propositions, d'ailleurs, que vous faites rejoignent celles que nous faisons avec mon collègue Labaronne, notamment la territorialisation. On ne peut pas continuer à gérer une politique du logement d'une façon centralisée, de réformer les zonages, puisqu'il n'y a pas moins de 4 zonages pas cohérents les uns avec les autres. Et donc, moi, ma question là-dessus, c'est comment vous voyez cette territorialisation ? Sur quel domaine puisque je prends l'exemple des exonérations fiscales en matière de politique de logement. Comment territorialiser cela entre les mains de collectivités locales ? Il faut dire, à ce moment-là, il y a une enveloppe. Hein, et s'il y a des plus, il y a des moins. Donc comment est-ce que vous envisagez concrètement cette proposition que vous faites ? Et puis sur les dépenses fiscales, ça ne fait que 30 ans que je suis dans cette commission. Et donc, on a essayé X fois pour essayer de réduire cela. On a complètement échoué. Pour une première raison, c'est qu'il y a une dynamique.
de la dépense fiscale. Si vous ne faites rien, de toute façon, elle continue à augmenter spontanément. Et donc, on se demande parfois si la politique de la hache n'est pas la moins mauvaise solution du point de vue de l'efficacité. C'est de dire on réduit toutes les niches de 10%. Parce que dès que vous vous attaquez à une niche ou cinq niches, comme il y en a 456, je crois, quelque chose comme ça, on vous dit pourquoi moi, pourquoi pas les autres, vous voyez. Alors comment vous voyez les choses? Merci Charles de Courson. Vos réponses. Merci Marie-Christine. Alors, je vais essayer de répondre brièvement. Donc, pourquoi nous disons qu'il ne faut pas se contenter de vérifier l'efficacité et l'efficience, parce que bien sûr, il faut le faire. C'est parce que de notre point de vue, il y a aussi d'autres critères qui peuvent être intéressants pour analyser la qualité de la dépense que j'ai tenté de présenter tout à l'heure. J'en rappelle quelques-uns. Le fait que ce soit une mesure partagée, comprise, le fait qu'elle soit cohérente avec les dispositifs qui existent déjà, le fait qu'elle soit climato-compatible, c'est-à-dire conforme à nos engagements climatiques, etc., etc. Voilà. Donc, en ce qui concerne la limitation des dépenses fiscales à 4 ans, oui, c'est une des propositions que nous faisons, c'est de limiter la durée de façon à se donner la chance de faire une évaluation et éventuellement de réajuster la dépense fiscale. Ça nous paraît très important. L'ambition de la Cour, c'est vraiment justement d'éviter la politique du rabot systématique et au contraire de travailler sur une approche de la qualité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de façon à éviter de dépenser inutilement finalement à travers des effets d'aubaine ou des couvertures de risques qui sont supérieures aux pertes constatées ou même d'aller jusqu'à favoriser dans certains cas des comportements frauduleux. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous nous inscrivons d'améliorer finalement le ciblage, c'est-à-dire d'aller vraiment vers ceux qui sont visés par les politiques publiques mises en place. Donc, en ce qui concerne des exemples de doublons État-collectivité locale, oui, il y en a d'autres. Il y a pas mal de rapports, par exemple, que la Cour a produits sur la formation professionnelle, sur l'alternance, sur l'emploi, qui montrent qu'il y a des interventions à la fois de l'État et des collectivités qui ne sont pas forcément coordonnées et peuvent être parfois redondantes ou... Voilà. En ce qui concerne le contrôle de l'allocation adulte handicapé, en fait, la question qui se pose, c'est que c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'il y a simplement un certificat médical qui est demandé à la personne qui fait la demande d'aide, mais pas de contre-visite médicale. Voilà. Donc, à partir de là, forcément, il y a une marge... importante et voilà, les CAF contrôlent les ressources des personnes mais pas l'éligibilité à ces dispositifs. En ce qui concerne l'évaluation de la plus-value sur les résidences principales, non, à ma connaissance, il n'y a pas d'évaluation qui a été réalisée sur cette question. Et pour répondre sur la question des dépenses en faveur du logement, c'est un des points sur lequel nous n'avions pas prévu d'intervenir, puisque nos collègues qui ont travaillé sur cette question ne sont pas présents aujourd'hui. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Sur le CIR, elle avait répondu, en fait. Oui, j'avais répondu. Pas sur le CIR, mais vous m'avez dit qu'il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a jamais eu d'évaluation en fait sur la niche fiscale plus-value résidence principale. À ma connaissance, en tout cas, nous on n'en a pas trouvé, voilà. Mais je n'ai pas meilleure réponse. C'est bon? Je crois qu'il y a eu un rapport complet en 2012, je crois, sur l'ensemble des dépenses fiscales faites par l'IGF. Et je crois qu'elle était probablement dedans. Si elle existe depuis longtemps, elle était dedans. Et c'est la dernière qui a été faite. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve demain matin à 9h pour les rapports mission d'information. Merci.